Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces émissions consacrées à l'archéologie en pays biblique. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. La semaine passée, nous avons débuté la découverte de la contrée de Petra, la région où habitait anciennement la tribu des Édomites. La tribu est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible comme étant les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Israélites et Édomites étaient donc frères. Pourtant, la relation était très conflictuelle. Les Édomites disparurent peu à peu pour réapparaître plus tard sous un nouveau nom, les Iduméens. Dès les années 400 avant Jésus-Christ, les Nabatéens, riches marchands, caravaniers, occupent le terrain. Ce sont eux qui ont développé la ville de Petra, fantastique et mystérieuse Petra, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les ruines ne furent retrouvées qu'en 1812 grâce à un archéologue suisse. Nous avons vu quelques-unes des tombes monumentales de Petra. Toutes ces tombes étaient taillées, sont taillées dans la roche massive. Nous avons vu également la semaine dernière le haut lieu des sacrifices. C'est là où l'on amenait la représentation de la divinité, le Béti, comme on l'appelle, et qui était surtout marqué et reconnaissable par l'importance qui était donnée aux yeux. Alors Lydie, là j'ai une surprise pour toi, parce que lors d'un de mes voyages archéologiques en Jordanie et à Petra, j'ai pu obtenir une pièce non pas unique dans le sens où il y en a d'autres dans des musées, mais unique dans le sens où on peut la montrer ici. C'est une béti ou un béti de maison. On reconnaît ici la forme stylisée de la pierre et c'était donc ce que les gens avaient chez eux, comme une sorte d'amulette de maison. D'accord. Et qui exprimait leur attachement à la divinité, la divinité qui s'appelait Dushara ou Al-Uzza, on n'est pas tout à fait sûr laquelle des deux c'était. Je profite de l'occasion aussi pour reparler de la revue Le Monde de la Bible, qui déjà en 1980 a sorti un numéro sur Petra, et qui depuis les années 1987, à peu près tous les 3 ou 4 ans, édite un nouveau numéro de leur revue qui est consacré à Petra. Car il faut savoir que les fouilles continuent toujours à Petra. Ce ne sont plus maintenant les grands édifices que l'on découvre, on les connaît depuis fort longtemps, mais maintenant les fouilles deviennent de plus en plus précises, on entre dans des détails, et j'en profite pour dire que cette revue pour nos spectateurs qui s'intéressent à l'archéologie biblique est tout à fait à recommander. Elle est aux éditions Bayard. Alors Henri, dans des émissions précédentes, nous avons vu l'importance de l'eau pour les établissements urbains. Je suppose qu'à Petra, les adductions d'eau devaient être tout à fait impressionnantes. Oui, et on les retrouve à tout bout de champ quand on parcourt ce cirque rocheux de la ville. À certains endroits, on voit des canalisations qui ont été creusées le long des passages, le long des falaises, pour amener l'eau à certains endroits où il y avait d'immenses citernes. Il y avait à l'entrée du site, donc en dehors du défilé rocheux, il y avait une rivière. Elle y est encore de temps à autre quand il pleut très fort. Et cette rivière, de temps à autre, inondait le passage, le défilé. Et donc, à un certain moment, un barrage a même été construit pour détourner l'eau et pour que la ville ne soit pas inondée par des crues soudaines. Donc oui, l'eau, comme partout, est extrêmement importante aussi à Petra. Alors nous allons maintenant continuer la découverte de ce fabuleux site de Petra en Jordanie. Nous nous rendons au nord-est de la ville. Un chemin, taillé dans le roc, s'élève lentement. Au passage, on découvre un petit peuple, pauvre mais charmant. La tribu bédouine des Bedoul. Malgré l'interdiction du gouvernement jordanien, certaines familles se sont installées dans d'anciennes tombes nabatéennes. Ces tombes servent parfois aussi de garage aux infatigables véhicules 4x4. Quelques Bédouins vivent encore dans de grandes tentes, mais tous possèdent la même richesse de l'accueil. Nous abordons une terrasse sur le haut de Petra. Il s'y trouve peut-être le plus fantastique monument nabatéen, appelé plus tard Ed Deir, le monastère, à cause de moines chrétiens qui l'ont occupé quelque temps. Cet édifice est plus audacieux encore que le monument phare de Petra, le fameux Kazné.
Celui-ci a près de 50 mètres de haut et fait 45 mètres de large. On reste confondu devant la science qu'impliquait de telles réalisations, car il fallait choisir l'emplacement, ausculter les parois rocheuses pour s'assurer de l'homogénéité de la pierre, faire de savants calculs pour découper les masses et y ménager des formes architecturales comme des colonnes, des frontons, des corniches, des sculptures, le tout d'une finition parfaite. Petra, la ville qui, de par sa position exceptionnelle, avait le sentiment que rien ne pouvait lui arriver. À l'époque des rois et des prophètes d'Israël, un d'entre eux avait pourtant écrit « Édom sera dévasté. Tous ceux qui passeront près de lui seront atterrés et siffleront d'horreur. Si la contrée d'Édom, appelée plus tard Petra, ne fut jamais plus dévastée par une armée, sa vie déclina toutefois complètement et de façon très simple. La route commerciale qui reliait l'Arabie à la Méditerranée et qui faisait la richesse de Petra, perdit de son importance au profit d'une nouvelle route passant au nord par Palmyre. Petra déclina jusqu'à passer dans l'oubli le plus total pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, le visiteur de Petra, le touriste, est stupéfait devant les ruines et le site grandiose. La richesse de Petra, son emplacement privilégié, ne l'ont pourtant pas protégé d'un déclin inéluctable, symbole de beaucoup de grandes cités et civilisations humaines. Cela donne à réfléchir. Certainement. Alors, pour continuer nos découvertes, les caravanes qui passaient par Petra montaient ensuite vers le nord pour passer par une autre ville importante nommée Gerash. Elle est également située en Jordanie et fait l'objet de fouilles archéologiques importantes. De fouilles très importantes, effectivement. D'après beaucoup d'archéologues, Gerash serait la ville romaine antique la mieux conservée que l'on connaisse. Mais abordons le site de Gerash. On aborde le site au nord d'Aman en découvrant sur le flanc d'une colline les restes d'un majestueux arc de triomphe érigé à l'occasion d'une visite de l'empereur romain Hadrien en l'an 129. Dépassé cet endroit, on aperçoit un jaillissement de colonnes et d'édifices. Voici un des deux théâtres que comptait la ville. Il a été entièrement dégagé et en partie restauré. Exemple type des majestueuses constructions romaines. 32 rangs de gradins, 5000 places. Dans les rangées inférieures, réservées aux dignitaires, les places étaient numérotées. Le parterre du théâtre pouvait être rempli d'eau pour des représentations nautiques. Face au public, une immense scène richement décorée. Du haut du théâtre, on aperçoit le forum. Il est de forme elliptique et entouré d'une colonnade ionique. La différence de couleur sur les piliers indique le niveau d'enfouissement avant l'arrivée des archéologues. Le dallage du forum est resté intact. C'est ici que les caravanes faisaient halte. Gerash était l'un des relais importants sur la célèbre voie royale, la route de la soie, de l'encens et des épices, qui passait d'abord par Petra. Du nord au sud, la ville était traversée par le Cardo Maximus, la grande rue. Elle desservait toutes les voies secondaires. Les pavés portent les marques de l'usure due aux roues de char. Deux temples dominaient la ville, dont celui-ci, le temple d'Artémis. L'édifice mesurait 160 mètres sur 120 mètres et il était soutenu par 260 colonnes corinthiennes de 12 mètres de haut chacune. Quelques-unes se profilent encore dans le ciel de Gerash. Ici, il y a encore du travail pour de nombreuses années, tant pour les archéologues que pour les ouvriers. Ce qui a surpris les archéologues, c'est la découverte de ruines de plus de 12 églises chrétiennes. Alors que l'effondrement de l'Empire romain entraînait le déclin de tant de cités,
Les archéologues purent établir que Gerrache survécut encore de nombreux siècles. Voici les mosaïques du sol d'une de ses églises, ou encore un baptistère, les restes d'un baptistère pour adultes. Henri, est-ce que la ville de Gerrache a un lien avec la Bible ? Oui, oui, car Gerrache faisait partie, à l'époque du Nouveau Testament, de ce que l'on appelle la Décapole. La Décapole était une confédération de 10 villes qui voulaient freiner l'expansion du judaïsme. Et Gerrache était une de ces 10 villes. Deuxièmement, les évangiles nous rapportent plusieurs événements dans la vie de Jésus où la Décapole est nommée. Jésus se rend en Décapole et va faire une guérison. Et à un autre moment, Jésus guérit quelqu'un qui provient de la Décapole. Nous lisons les deux textes pour les découvrir. Premier texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7. Jésus sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amena un sourd qui a de la difficulté à parler aussi. Il l'amena à l'écart de la foule et ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. Et puis un deuxième texte, toujours dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, où il est dit que comme Jésus montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Mais il ne le lui permit pas et lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il est donc fort probable que l'expansion du christianisme en Jordanie, on le remarque donc à Gerrache, a été le fait du témoignage au moins de ces deux personnes. Alors Gerrache, quand on voit aujourd'hui la ville, bien sûr était une ville matériellement riche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cela lui venait de son commerce avec la tribu des Nabatéens, hein, les caravanes qui passaient par là. Mais apparemment, Gerrache avait aussi une valeur, une richesse spirituelle. Elle lui venait probablement de toutes ces personnes qui avaient été touchées par le témoignage de ces deux hommes qui avaient rencontré Jésus, qui en avaient parlé autour d'eux, et qui fait que le christianisme était très, très répandu dans cette fameuse Décapole. Jésus disait aussi un jour que si les hommes cessaient de parler, eh bien ce seraient les pierres qui parleraient. Oui, et c'est un peu ce qui se passe avec l'archéologie dans les pays bibliques. Merci Henri. Merci Lydie, à toi aussi d'être là. Au revoir chers téléspectateurs et à la semaine prochaine. Au revoir.